YouTube, nous sommes en live sur Twitch, nous sommes en pleine soirée Défi Sims et on m'a fait le défi de retaper et relooker notre amie Lorelai. Lorelai, il y en a plein qui vont sûrement pas la connaître, c'est la matriarche de mon challenge Ugly to Beauty Legacy Challenge. C'est un nom à rallonge, mais au moins il veut dire ce que ça veut dire. On passe d'une Sims qui n'est pas très jolie et avec un legacy donc sur plusieurs générations, il faut arriver à une descendance de grande beauté. Je pense que ça vous dit quelque chose déjà dans un coin de la tête. En tout cas, le challenge est dispo sur YouTube. C'est vieux, c'est vintage, hein, c'est du vintage Shirley. Si vous avez envie d'avoir de la honte pour moi, vous pouvez regarder. Lorelai, c'est elle. C'est son joli profil. Hein, c'était une laideur humaine, un petit peu quand même. C'est-à-dire que ça va, il y a du dégât, mais c'est quand même pas trop affreux. C'est réaliste. Et puis en plus, elle est lookée. Et puis j'avais déformé un petit peu son corps, etc. etc. Et bien écoutez, j'ai pas de timer, donc on va y aller tranquille. Hein. Je pense que ma petite Lolo, la petite Lorelai, on va t'enlever le maquillage. Ah oui. Et les veuches. Oh, y'a. Oh, y'a. Oh, quelle beauté. Oh, mais qu'elle est belle. Avec des grands yeux pour regarder tout le monde qui est devant elle. Et puis des grandes oreilles pour pouvoir les écouter. Et un grand nez, une grande bouche. Tout est grand. Première chose, on va quand même peut-être réduire les oreilles. Ok, les oreilles, c'est bon. Les yeux. Alors, une belle couleur, hein. On voit tout son potentiel déjà. Non, il faut que. Je pense qu'il faut quand même les garder assez ouverts. Ah, voilà. Bon, là, forcément, avec les sourcils et ce pif incroyable, c'est un peu compliqué de se rendre compte que. Hein, on va lui mettre des sourcils un peu plus normaux. Oui, 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 ce pif. Oh, oh là là. Oh, incroyable. C'est vintage, hein, j'avoue, je sais plus du tout comment je l'avais faite. Là, on retrouve un regard un peu moins bovin, mais un peu plus humain. On va aussi redresser ce nez. Hein. Merde. Si je te fais faire le tour, c'est pas bon. Mais je vais choper l'arête de ton nez. Voilà. Oula. Oh, j'étais partie sur quoi comme nez? Ça va pas du tout. Mais j'avais choisi un nez bossu. Bon, déjà, son nez n'a plus une forme de patate. Ensuite, je me souviens pas d'avoir pris un nez comme ça. C'est pas dégueu, hein. Ça va, hein. Ah, la souris, regardez, elle est contente. Oh, c'est bon, je passe enfin à la chirurgie. Après toutes ces années à être moche, là, dans cette galerie. Ah, ben, en vrai, ça va. J'avais pas été trop méchante avec elle, hein, je pense. Ah, ça change tout, là. Oh, comment elle est belle. C'est moi ou elle est magnifique, là. C'est moi ou elle est belle. J'aimerais juste modifier ses joues qui sont horribles. C'est chiant. Ah bah, pourquoi? Ça a rien à voir, hein. C'est plus Lorelai, hein. C'est pas du tout la même meuf, hein. C'est un truc de dingue. Ouais, j'ai quand même encore un problème dans la joue, dans la pommette. Non. Tu vas pas faire la gueule comme ça, s'il te plaît. Parce que le but, bien sûr, d'un Ugly to Beauty, c'est de pas toucher sur les trucs de côté préfet, hein. C'est de retoucher à la mano, hein. Voilà, c'est ça. Ils étaient pas très droits. Ok. Après, il y a encore tout petit peu ici. Il faudrait que je creuse un peu. Ah bah non. Là, il n'y a plus la bosse. C'est moi qui l'ai créé en fait, la bosse, sans faire. Après, c'était pas mal, hein. Ça change et tout d'avoir une petite bossounette là. L'arête du nez, elle est très importante pour moi, l'arête du nez. C'est fou, hein, comme elle est belle. Et là, moi, j'ai toujours un problème de joue, hein, par contre. Ça me trigger, hein. Alors, de face, comme ça, elle est jolie, parce qu'elle a la mâchoire qui prend. Mais ici, ça manque, je trouve. C'est peut-être moi, hein. Sinon, le body, on va essayer de refaire un canon de beauté classique. Hop. On va lui remettre des boobsies. Des boobies. Elle n'avait pas de fesses, elle va en avoir. Elle avait trop de cuisses, on va réduire un petit peu. Et elle avait pas de mollets. On rééquilibre un peu tout ça. Et je crois que les choux. Ouais, putain, c'est comment j'ai pu l'habiller comme ça, cette pauvre fille. J'avais fait des grands pieds. Ça me revient. Ah oui, là j'avais grossi.
Un peu inutilement, mais... Ah bah voilà. Mais ça me fait triper parce que... En fait... Tu sais pas quand tu prends le truc, tu sais pas ce que tu prends, mais tu le prends. Et puis des fois ça le modifie, des fois ça le modifie pas. C'est génial. J'ai l'impression que son nez... a bougé en même temps. C'est moi ou elle a des grands yeux? Je ne vois pas! Où est sa coupe? Ah, elle est là. Ah, c'est vivre ensemble. Non mais la meuf, comment elle est belle. Là mais je la reconnais pas. Je sais que c'est elle mais c'est pas elle quoi. Je trouve qu'elle a un charme dingue. Notre Lorelai nationale. Oh ah là là, si elle aurait pu me faire des... Et en fait je sais... Peut-être que je suis partie de ces Sims là pour faire l'horreur que vous avez vue après mais... Elle est trop belle. Et puis on va la relooked. Alors ses pompes par contre c'est clair et net que j'en veux plus. Forcément à l'époque j'avais pas grand chose hein. Avec son tatouage. Il y a toujours un truc qui m'agace. C'est son nez. Non, là, je la vois moderne, active, branchée. Je la vois comme ça, ma petite Lorelai actuelle. Là. Genre, elle s'habillerait comme ça pour aller boire un verre avec des copines. Non. Elle est beaucoup trop jolie. Ah, je vais lui mettre la combi. La combi de... comment ça s'appelle déjà? Décoration d'intérieur. Avec des talons hauts. Non, noir, c'est bien. Avec des talons. Des bons petits talons noirs, toujours les mêmes hein, que je mets. Clac, c'est simple, c'est efficace, c'est pas cher, et c'est la maf qu'on préfère. J'aime bien là, le kiki comme ça. Elle est dingue, hein. Elle va trouver une place dans des challenges. En tant que habitante du quartier, hein. Elle va nous faire des beaux bébés après. J'aime beaucoup cette coupe, donc on va partir là-dessus. Oh ouais, il y a ça qui est choupi, en blanc. Elle est belle, Lorelai. T'aimes bien? Oh, je me laisserais bien tenter par... La petite jupette. Ça colle bien avec le haut, je trouve. Si je prends le blanc en haut, j'ai le choix pour en dessous. Donc, la petite jupette de rue de la mode. Bah, violet, écoutez, c'est la plus belle des couleurs, de toute façon. On valide ou pas la tenue, là? C'est choupi, hein? Oh là là! Alors, on va enlever les pompes. C'est quoi ce maquillage? Non, 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 c'est fini les années 90, hein, Jeannette, là. Ah, vas-y, on se fait un petit kit Incheon, là. C'est pas mal. Je sais pas dans quel monde, je me suis dit, c'est une belle robe pour faire des soirées. Mais bon, quand t'as 3 packs et demi, ben à l'époque, tu fais ce que tu peux. Ça y est, je vais plus trouver non plus ma robe, celle-là. Ça fait plus moderne avec cette tenue-là, on est d'accord? Je mettrai des boucles d'oreilles, on va y mettre des chouchus. À talons, évidemment, c'est pour les soirées en boîte, ça. Fatal! Oh là là, elle a besoin de rien d'autre. Tout petit peu d'eyeliner là. Ongles de pied. Oh, c'est vrai que ça fait longtemps. Attendez, je vais lui foutre des ongles. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Clac, petits ongles rouges là. Comme moi. Ah, j'aime bien sa petite tenue de sport. Mais! On a eu les Ricky Kids. Et moi, je les aime bien. Elle est trop belle. Elle est hyper active. Oh là! Ah oui, c'est vrai qu'elle avait ça comme tenue. Allez, on va y mettre ça. On va y mettre la petite lingerie, là, toute noire, là. Juste ça, c'est tout ce qu'il faut, c'est bien. Oh, madame! Non, mais ça allait à l'ancienne Lorelai. Qu'est-ce qu'on va te mettre, ma belle? Ah! Je suis pas fan de ce truc transparent. Mais là, effectivement, avec une jupe. Enfin, cette jupe-là, parce qu'on va la changer. Ou un short, peut-être, s'il y a des shorts sympas. Ça peut donner un côté un peu strict. Mais... bien ajusté, ça peut être sympa. Bah en vert, hein, en vrai c'est pas mal le vert. Je sais, elle avait déjà un ensemble noir-vert, mais j'aime bien. Par contre, on va pouvoir lui mettre des collants. J'ai des collants résille. Oh ouais. Gras. Maillot de bain. J'ai mis ça moi. Un petit maillot Moschino, parce que tu le vaux bien. En blanc, allez. Oh là. Ah ouais, mais il n'y avait pas d'été à l'époque. J'allais dire, j'ai mis ça moi, mais non, il n'y avait pas de tenue d'été. J'ai vu ça. Ça peut être sympa. En jean bleu. Et on va changer là-haut. Mais elle a un piercing. Ouais, elle a un piercing. Ah, en rose. Du coup, je vais mettre un bleu un peu moins pétant. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Elle a un piercing. Je suis pas contre, hein. C'est juste que comme elle a... Sinon, on les aurait sur toutes ces tenues. Tiens, t'as du rose, là. Ah, ouais, elles sont moches. On s'en fout. Oh, t'es mignonne. T'as sorti tes lunettes pour l'hiver. Non, on va mettre le... Très beau pull qu'il y a avec voilà, charmante campagne.
Charmante campagne, c'est mon nom de challenge, c'est pas le nom du pack. Parce que j'aime trop son effet loose, tout ça. Avec un bon petit jeans. Je peux par contre être en jeans moulant, c'est pas dérangeant. Ah bah j'aime bien cette couleur-là, elle est très très belle. Est-ce que tu peux mettre ça? Mais c'est nickel. J'aime bien. Nickel, peut-être changer vite fait sa coiffure. Bah écoutez, elle est belle, hein. On va lui mettre un petit bonax, parce que moi j'aime les bonax. C'est cute! Oh, c'est cute, ça lui va bien avec le petit béret. Ça va avec les chaussures, entre guillemets, quoi. Donc j'aime beaucoup cette combi, mais je vais changer la couleur. Ah ah! Si vous pensez, quelle couleur je lui mets? J'avoue que... le rose, c'est pas mal, non? Ça lui va bien, je trouve. J'aurais pas pensé, hein, quand j'avais vu dans le trailer, j'avais fait ouf, oh punaise, elles sont lourdes à porter, les combis avec les motifs. Mais en fait, sur certaines Sims, ça va super bien. Et voilà, le relooking est terminé pour notre belle Lorelai, Lorelai version 2. Lorelai, d'ailleurs, que je vais renommer Lorelai Beauty. Ouais, c'est pas faux. Hein, c'est pas faux, bah oui. Lorelai Beauty, parce qu'avant Lorelai le Ugly, maintenant c'est Lorelai Beauty. Donc cette beauté fatale. Ah oui, qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle sera relookée donc avec sa première tenue de jour. Wow. Sa deuxième tenue de jour. Bon, il y a un petit peu de violet quand même, hein, on se demande pas d'où ça vient. La troisième tenue de jour. La tenue de... habillée. La tenue de sport. La tenue de sommeil. La tenue de fête. La tenue de maillot de bain. La tenue de temps chaud. Et la tenue de temps froid. Et voilà pour notre petit relooking extrême. Et avec grand plaisir de Lorelai. Je ne pensais pas qu'elle serait si belle. C'est une vraie surprise et en vrai, quel bonheur, hein, franchement. Elle est magnifique. En tout cas, moi, je vous remercie énormément, YouTube, d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Évidemment, des bisous. Ciao.